bah écoute, avec Aurore, on a 30 ans, il y aura tous une petite bite ici là. Gardez-vous d'ici! Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bienvenue dans l'aventure Paris Express. Dans une course à travers Paris, trois équipes s'opposent dans un jeu d'orientation pour fêter nos 30 ans. 8 énigmes des guiderons, ponctuées de défis et de rencontres, leur permettant d'engranger des points et établir un classement à la fin de cette journée. Ils viennent tout juste de terminer la première course, les rouges en tête, mais en termes de points, ce sont les verts qui se classent en haut du podium. Après une pause déjeuner bien méritée, un nouveau jeu va maintenant définir l'ordre de départ de la deuxième course. À l'issue de celle-ci, les perdants se verront attribuer un gage que voici. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà dit, on fait le quiz. Elle va poser une question à chaque équipe, une à la suite, donc une question bleue, une question verte, une question rouge. Une bonne réponse, vous donnez un shot à l'équipe de votre choix. Une mauvaise réponse, il faudra choisir entre piment et shot. Comme vous l'aurez compris, c'est sur un quiz de 18 questions que va se jouer la prochaine énigme. Chaque bonne réponse leur donnera des points, mais chaque mauvaise leur attribuera un gage. Shot ou piment? Quel malheur. Équipe bleue. Quel malheur. Bon. On va faire alors. Non. Si, trop tard, t'as dit ouais. Vous savez bien que Lutèce était le nom de la ville de Paris à son origine. Mais où était-elle précisément avant qu'elle ne s'agrandisse et ne devienne Paris? Pousse. C'est que pour les verts. Lutèce? Oui. Où était-elle? C'est quoi qui doit répondre? Une ville. La Paris, c'était où à tout à la base? Ah oui, ça. Répète la question. Je sais pas, c'était sur l'île. Juste l'île. Mais c'est quoi l'île? Je sais, monsieur. L'île de Ré? Attends. Après, concertez-vous. L'île de la cité. L'île de la cité, vous validez cette réponse, vous êtes sûr? Réfléchissez, hein. Mais on t'en fout, vous n'êtes pas là. Ah, pardon. C'est pas dans le nom. Non, mais là, c'est question. C'est ma réponse. Deux, c'est quoi? C'est une bonne réponse. Choisissez bleu ou rouge pour le shooter. Les bleus au bar, s'il vous plaît. Alors, équipe rouge, c'est nous-mêmes. Numéro 1. Oui. C'est vous tous? C'est vous tous. Tout le monde est rouge. On est là. Où se trouve la rue Montorgueil? Rive gauche ou rive droite? C'est pour toi, c'est pour une parisienne, ça. Moi, je suis une meuf Uber, monsieur. Pas de rue aussi par rive rouge. Gauche ou droite pour la rue Montorgueil? Exactement. Tu sais où aller, même une géolocalisation de Montorgueil? On prend le téléphone ou pas? Non, interdit, monsieur. Non. Sinon, c'est la pénalité. C'est pas nord, gauche ou droite? Non. C'est en dessous, monsieur. Ça va? Non, c'est pile ou face, vas-y, c'est bon. Faites un chifoumi. T'es droit, tu es gauche. Droite, elle a dit. Attends, vous faites quoi du coup? Ouais, je suis perdu. Allez, c'est quoi la question? Vas-y, droite, gueule. Vas-y, droite. Je sais pas. C'est une bonne réponse. À qui vous shootez ça? Qui vous shootez la gueule? On shoot qui? Les bleus. Allez, les bleus. Alors ce matin, tu les as aidés. Ouais, t'inquiète, c'est ma meuf. Allez, go. Allez, shot. Allez, au bar. Prends cette fois. Tu vois le regard là de Chucky? Ah, je vois le regard. Ah, ok. On est là, nous. Ça fait 3 mois, je ne sais pas. Méchante. C'est les bleus et après ça sera full vert. Bébé. Question suivante. Comme ils sont au bar, vous en aurez deux à la suite, vous êtes au bar. Non, nous. Il est fou, lui. De quel département provient l'eau de la Bièvre avant de se jeter autrefois dans la Seine? Ouais, bah c'est joli, mes fiches, moi, monsieur. Je me demande s'il n'y a pas un piège 14. Vous validez cette réponse? J'ai dit avec le FET, c'est le 78. La Bièvre. 91. Comme le Val de Bièvre. Et non, c'était le 78. Oh là. Ah, mais c'était sûr, c'était la roulotte. Bon, ça va l'abonnement? Alors, dis-moi, c'est quoi? Chat ou piment?
Shot, shot. Shot, on est parti. Dans quelle chanson pour Kev, et d'après l'anecdote de cette soirée, où est-ce que Kev s'est fait boulot? Yes, tu s'est fait boulot. J'ai pas les paroles. Alors, je vais vous aider, ça fait... On était à... Ça fait... Bastille. Tu t'es pris une... Bastos. C'est très bon. Valide la réponse. Oui. Ok. Tu veux que tu m'en ça, mon pote. On s'est pris une Bastos. C'est bon. Donc, vu qu'ils ont deux fois de suite une bonne réponse, la rouge et la bleue, vous allez prendre tous un shot au bar. Allez. Oh, tu vois. Oh, trop nul. Vous pariez pas, il y a pas. C'est Game Master qui a décidé. C'est comme ça. C'est comme ça. Les deux à la suite. Vas-y, je réfléchis pour vous. Les bleus, à quel moment avons-nous donné le nom Friendly Crew à notre bande de bleus? Première vidéo. Ouais, c'est ce que j'avais pensé aussi. C'est Tamos, hein? Pourquoi? Je crois qu'ils sont tous au bar. Pourquoi? C'est ouf au final. Bah alors, tu sais quoi? C'est l'année que t'attends? Non. Friendly Crew, ah si, c'était ça. Le? C'était ça, c'était une bonne réponse. Avec moi, vous pouvez faire boire qui vous voulez. La team rouge. Allez, bon, bah, tu doubles. S'il vous plaît, toi, ce barman. C'est parti. Allez, bon, vas-y. Allez, question pour les rouges. Allez, question pour les champions. Où a été tourné en grande partie le film Amélie Poulain? Oh, ici. Ah, j'ai jamais vu celui-là. T'attends quoi, une ville? Chérie, on est quoi? Non, un quartier. Non, non. Non, tu sais. Tu sais, toi? Tu te tais. Non, mais juste, c'est que tu sais. C'est Montmartre. Tu valides? C'est une bonne réponse de la suite, vous faites parler deux autres équipes. Oh ouais! On craint. Premier shot des verts. Ouais, moi, tu sais que moi j'ai cinquième des bleus. Sixième. Alors, niveau nick, on est pas bon, mais niveau 10, qu'est-ce qu'on vous arrache? C'est sûr, c'est du spice, donc ça va mal passer. Mais moi, on a gagné, pourquoi je bois? Ça y est, c'est fini. Mais toi, t'as pas à boire. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, on va passer à la deuxième partie du jeu. Il s'appelle la question perso. La question coquine. La question perso. En quelle année Maxime a-t-il obtenu son permis de conduire? Allez, c'est bon. Easy. Facile. Easy. Large. Attends, bouge pas. C'est coquin, bouge question. Pas, il est né en 90 et il a eu à ses 18 ans, je crois. Tu calcules maintenant. Alors il a fait le plus gros, il a fait le plus gros. Il est né en 90, il a eu à 18 ans. Le Mindhunter. 90 plus 18. Attends, ça fait combien? 98. Ah, 2002. Ok, pardon. Validé ou pas? C'est validé, c'est Maxime. Allez. Non. Pas 2008? Non. Là, il est en février. Allez! On va au bar! Il est nu! Grosse merde! Tu l'as eu après moi? Oh non! Ouais, je t'ai passé, je suis 2008, tu vois. Okay. Tu l'as eu après moi? Merde! Moi, c'est 2008. Comme toi. J'ai la gueule. Question pour les verts! Quel est le nom de l'école d'ingénieur où est diplômé Seb? Et bah vous distribuez. Ah, elles sont pas toutes dures. Elles sont pas toutes dures. Et c'est tombé sur la bonne équipe. C'est les oups. Du coup, vous distribuez à qui vous voulez. On peut distribuer au staff. Bonne question, maître du jeu. Distribuez à vos caméramans seulement. Celui de votre c'est le Game Master, c'est lui qui nous qui non, ce sera ma gueule alors. Ça me paraît un bon choix. Ok. Vous savez comment Mathieu nous appelle? Mathieu nous dit, vous êtes derniers, vous êtes des grosses merdes, on arrive, on est premier. Allez, avancez les bolos, avancez. Vous pouvez pas être premier. Après, il nous insulte pendant tout le trajet. Alors, vous êtes des grosses merdes. Plante-toi à la caméra. On n'est pas si nuls. Quel est le nom complet civil de la fille d'Anaïs et Yacine? Oula. On veut les trois prénoms. Ouais, voilà, les trois noms. J'ai pas. Non. C'est des noms de. C'est sûr. Ouais, impossible à trouver, les gars. On fait jamais sûr. Non, mais... Même eux, ils sont pas sûrs. Alors, juste un indice.
C'est le prénom de Mia. Sa grand-mère. Sa grand-mère et ma. Et voilà, ah, je connais vachement les prénoms. Ma mère, au moins. Attends, on a une question de fils de pute. Ouais, c'est con. Dans quelle école? C'est du hasard. Les frais. Oh bravo. Quelle couleur est le ciel? Dans quel pays on vit? Et nous, c'est combien font 967 au carré? Non, c'est vrai. Mia Brigitte Fatima. Ça aurait été. Et c'est imperfect. Ah bravo. C'était quoi alors? Aïe aimé Martha. Aïe aimé. Moi. Mia. Nousa Simone. Mia Nousa Simone. Nousa Simone. Nousa c'est sa maman et Simone c'est ma mère. Je n'aurai jamais. Mais Nousa, je ne eh bah c'est quoi? On fait voir le caméraman. Non, mais par contre, oui, vous allez prendre avec votre caméraman parce que c'est lui qui a fait les questions. Il vous a bien mis dans la tête. Allez. Je suis d'accord. T'envoies quoi? Bon, les verres. Oui. Et comme vous avez eu bon à la première, oui, vous pouvez faire manger un piment si vous répondez bien à l'équipe que vous voulez. De quel signe astrologique est Ganou? Imagine le prochain enfant. Oh, facile. Lion. Lion. Et c'est deux bonnes réponses à la suite dans cette catégorie. Bah oui, du coup, vous pouvez donner un piment à l'équipe que vous voulez pour ce double bonne réponse. Piment? À l'équipe que vous voulez. Non, piment. Si, à l'équipe que vous voulez. D'accord. C'est pas de gentillesse, c'est du oiseau, c'est tranquille. Du oiseau, oiseau, c'est encore plus. Allez, la moitié, fais le mec là, voilà, minimum. Ça va, c'est. C'est pas dit, j'ai dit dans 5 minutes c'est passé mon gars. Tiens, prends de l'eau. Prends de l'eau. C'est pas le pire, c'est pas le pire. Non, non, non. Ça réveille, ça réveille. En attendant, ça va? Ça réveille en vrai, ça va. Quel était le premier job de Roi? Allez bébé. Facile. Je l'ai, mais c'est l'intitulé, je suis pas sûr. Mais pourquoi tu l'aides? Quel était le premier job? Standardiste. T'es le meilleur bébé. Et bah voilà, c'est beau, c'est beau. Standardiste, c'est pas forcément le truc. Panda. C'est vrai que j'ai dit qu'il voulait. Voilà. C'est cadeau. Allez, Panda. Et un bon gros shot, hein. Non, en fait, pas toi. Non, non, pas toi, en vrai. Non, pas toi, c'est une très mauvaise idée. Anaïs, je rigole, ça va. C'est quoi, c'est de l'alcool? Non, alcool. Bon bah, bon bah. Voilà, ouais, je sais pas, non, mais il a accepté. Moi aussi j'en veux avec toi. Ouais, non, il a dit la dernière fois que j'ai mis chou. Oh, il se dit que t'as. Bah, les oui, fous ta tête, toi. Hein? Est-ce que c'est la daronne? Béné, béné. Non. Béné, béné. Non, mais il m'a demandé meuf, meuf. Meuf, c'est quoi? En couple. Meuf en couple. Bon bah, alors, ok, en couple. Ouais, voilà. Et bah, bonne réponse, les verres au piment. Moi j'allais dire béné béné. Bah, moi j'ai des verres. Mais non, c'est pas si c'était la question de vengeance. Avec qui tu joues à elle. Ça a jamais été mal. Allez, verres au piment, les verres au piment. Vous demandez à Rémi Chou de rémicher là, les gars. Encore question, j'adore ce jeu. Toi, tu m'as regardé, t'as les yeux qui ont fait direct. Ah, ils sont explosés tes yeux. Ah, il pleure carrément. Les champions bleus. Les bleus! Shot! Avec qui Maxime a-t-il été dans la même classe parmi les personnes présentes? Mathieu Meyer. Non, mais il faut citer toutes les personnes. Non, présentes. C'est toi qui dans non, les personnes qui sont ici. On est des noms, oui. Dans les personnes qui sont ici. Maxime, il a pas de nom. Jusqu'au collège, il a été dans la classe de personnes à part Mathieu en quatrième. Il a retapé, non? Je viens jamais, on va jamais. Jamais. Moi je me vois pas plus dans sa classe. Je me vois plus dans la cour et pas dans la classe. Sur lui. Précision, pardon, pardon. Pas ici, dans toutes les personnes que vous avez croisées aujourd'hui. Guillaume Escama, Mathieu Meyer. Bah oui, il y a une idée. Retapé, c'est ça? Mais ça va, faut pas le dire non plus. Il a fait la quatrième projet. T'as retapé? Ouais, quatrième projet. T'as raté, Max? Oui, j'ai raté. Moi aussi, Max. Mathieu, c'est sûr. Dégan, c'est sûr. Non, il m'a dit. Escama, c'est sûr. Escama, c'est sûr. C'est Yacine, j'ai envie. Et donc? Toi, toi moi, c'est sûr que non. Toi et moi, non. Moi, j'ai jamais juste envie de donner un petit indice. Si je veux pas. Non. Enfin, la photo profil des Trente Glorieuses. Et il y a ceci. Voilà. Oui, oui. L'école. Voilà. Voilà. Oui, j'ai les quatre, ça y est. Moi, j'ai dit oui. Maxime, est-ce que tu confirmes ces noms-là? Attendez, on a. Pardon, pardon, pardon. J'ai déboussé la gueule. La croisée de ces gens-là.
Ouais, Mathieu. Si, si, si. Oui, mais attends, c'est chelou parce que moi je me vois pratiquement avec lui dans toutes mes classes. Bah, tu sais quoi, je te fais confiance si tu te portes, on voit trois. Non, c'est toi qui sais pour toi. Coup de pression. Ah, pardon. C'est toi, tu sais pas pour toi. Ça vient. Je sais pas, moi, écoute. Toi, j'ai un doute aussi. Oui, je sais pas. Donc, les quatre que t'as dit, c'est. Mathieu Mégan, Mathieu Meyer. J'avais, carrément. Et Yacine Chercher. Et c'est une mauvaise réponse. Il n'y a jamais eu Yacine. Bâtard. Yacine, t'as jamais été dans sa classe, on est d'accord? Tu nous as menti. T'as jamais été dans sa classe? Ah, Max. Ah, Max, non? Bah non. Tu joues le dernier rang, mais au bas là. Oh, les gars, Max. Est-ce que t'as été dans sa classe? Ah, Maxime, je crois qu'il y a un des deux. Non, pour ceux pour le coup, tu vas boire avec eux. T'accompagne pour le. C'est pour ça que je vous laisse. Dans quelle ville Aurore a-t-elle grandi? Dans quelle ville Aurore a-t-elle grandi? Pierre, si vous validez cette réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Vous pouvez donner shot à qui vous voulez. Qui veut des shots? Tu peux donner au camarade. Pas de but. Juju, prends un shot. Ok, merci. À nous aller, je voulais voir. Je veux bien. Rouge, question. Ça commence à aligner. Ça commence à piquer là. Dans quelle émission télé Morgane est-elle déjà passée? Ok, d'accord. Dans quelle émission télé Morgane est-elle déjà passée? Citez-en une. Ouais, vous pouvez en citer au moins une seule, ça suffit. J'ai un, deux. Non, deux. Non, on a tous les places de l'autre. C'est trop facile. Oh, deux, allez. Vas-y, moi je suis pas. Tu peux mettre un peu. Mais moi je suis pas à la télé, moi. C'est ta mère, gros. Alors, moi je vais pas à la télé, moi. Je vais donner un indice. Moi je suis Koh-Lanta. Je sais pas, tellement vrai, moi je sais pas. Oh, Total Wipeout. Oh, c'est méchant. Non, mais c'est son choix, les gars. C'est parce que moi je sais que t'es passé comme un connard, toi, dans M6. Oui, mais c'est pas la question. Et quelle émission? Je sais pas, de l'interdit, hein. C'est mon choix. Tu dis c'est mon choix. Et deux, un deuxième. Et toi, tu dis quoi en deux? C'est mon choix. Deux émissions. On a interdit toujours été foutre là-dedans. Elle arrive avec sa famille en caravane pour encore squatter en terrain. Bon, votre réponse, Miss France en deuxième émission. Non, non. T'en as fait combien en vrai des émissions? 4, 5, je dirais. Et genre à participer ou pas? Non, à participer. Non, à participer, ouais. Participer et tout. Top chef, star, hein. Top chef, tu valides? Non, je valide pas. Moi, je l'ai pas, moi. Bon, bon. Wow. Allez, allez, je vous l'avoue. Réponse Jackie et Michel et. Vous validez quoi alors? Ah, c'est mon choix, c'est bien. C'est mon choix et une émission à ça. Je sais pas, moi, y'a pas un truc. Dis-moi un truc sur NRJ12 si tu peux. Allez, un truc au hasard. Mais moi non plus. Allez, lancez une émission au hasard. Pimp my car. Pimp my ride. Et non, allez. À table, les amis. C'est à table. Il y a une Norbert. Norbert et Jean de défi. T'es trop con, je leur dis c'est ton choix. T'as fait la c'est mon choix. Je demande pour une nouvelle vie, c'est en tout cas l'ancienne. Et c'est ma vie aussi. Moi j'ai vu que c'est mon choix. Et pimp my ride. De toute façon, ils en font. Tavernier, ils ont soif. Encore, mais marrant. Encore. C'est une des dernières questions. Vous êtes prêts? Ok, stylé, ouais. Les bleus, quelle est la taille de Rémi Chou en centimètres? Tout le monde est bon pour eux. Non, juste pour eux. Ah, on a le droit de marcher ou pas? Pas du tout. Je prends aussi la mesure en bras de Julien. Avec Est-ce qu'on a une marge d'erreur de 5 cm? C'est du tout pile, le monsieur. 74. 1m74. Oui. En centimètres, on veut. Hein. Non, 72. 67, tu vois. T'es comme ma maman. Et ben non. Tu vois, la rêve. Mais c'est terrible, c'est affreux. Mais il fait pas 67 cm. Mathieu fait 1m70, je crois. 1m20. Shot. C'est bon, le débat est clos. Voilà, vous pouvez faire 2, c'est bon. Alignez-vous, s'il vous plaît. Équipe. Ouais, moi aussi, je me réveille. Regarde en bas. J'avais Sébastien. Parce que je me regarde en bas. Rencontrer Mathieu.
Ok. Ok. C'est une question. C'est une bonne question. Franchement, je dirais. Moi, je dirais bien 2 ans. Moi, j'aurais dit 2 ans parce que pour moi, ils ont la même amitié que j'ai avec Abdel. Et Abdel, moi, je l'ai rencontré, j'avais 2 mois. Non, mais. Aucun rapport. Des conditions, gars. Ils se sont trompés de berceau. Ils n'avaient pas la même mère. Yacine, c'est les premiers à s'être rencontrés. C'est pas les 2 ans. Ah non, c'est Danny qui s'est rencontré. On a fait tout le monde pas terre ensemble. J'ai rencontré sur hasard, Mathieu. Pas en maternelle. C'est quoi comme site de rencontre? Alors ça, j'étais pas Ili en maternelle. Mais est-ce que j'étais dans sa classe? Est-ce que je le connaissais? Est-ce que est-ce que je suis en train de te brain pour me venger de la question d'avant? 6 ans. Est-ce que peut-être qu'on était... Moi, je vous ai aidé, ok? 6 ans, t'as dit? Je vengeance, ça. 6 ans. 5 ans. 5 ans? 5 ans? 5 ans? 5 ans? 5, 6? Non, je veux 5, 6, 7, mais un seul. Rappelle-toi qu'il est venu en dernière année de mater. Tu dis 5 et demi, si c'est pas la réponse, tu vois. 5. 5, bah 5. Non, elle est pas d'accord. 6. 6. Et c'est... une bonne réponse. Ah ouais, vous distribuez pas encore, attendez, parce que là, on arrive sur le vrai challenge du jour. Les verts n'ont que des bonnes réponses. Donc s'ils donnent bonne réponse à celle-là, ils vont faire boire tout le monde, même les caméramans, même moi. Donc si vous répondez bien, vous faites boire tout le monde ici. Oh non, allez les frères. Mais allez les verts. Faire boire les rouges, les gars. Quel est le nom de l'école primaire dans laquelle Yacine a grandi? T'as grandi dans une école. C'est pour ça que t'es très primaire. Ok, on comprend bien. Je sais. C'est pour ça que je suis très primaire. Primaire, ouais. Le nom de l'école primaire. Ah bon? Attention, là, il y a un gros enjeu. Tic-tac. Ah oui, regarde les bras. Ah oui. Non, mais c'est dur pour cette question. C'est chaud, ça. C'est chaud, ça. Tu te rappelles des bonnes réponses. C'est un truc dur, non, pour vous? Bon, allez, 10 secondes. Tant qu'une école que tu connais une. 10. 9. Ouais, mais je comprends rien. Tu demandes un nom d'école, ça va pas. 7. 6. Je sais pas, Jules Verne. 5. C'est le centre de loisirs, Jules Verne. 4. 3. 2. Je sais pas du tout. 1. Allez, vas-y, donne-en une opération. Je sais pas du tout. Jules Verne. Salut. Ouais, Jules Verne, mais c'est. Jules Verne, c'est validé. Et j'ai écouté Jules Verne. Exactement. Il y a que toi qui rappuie, mais c'est dur. Donc, allez. Tu connais un nom d'école de Bièvre? Non, les castors quoi. Les castors, les castors. Voilà, c'est la fin du jeu, dommage, vous ratez le sans faute sur ça. C'est vraiment pas possible. Et donc vous, vous avez toujours. On l'appelle, vous buvez tous. Pour leur shot à distribuer. Vous avez un shot et en plus, on se fait un petit shot chacun. Un shot à distribuer à une équipe. 2 sur 1000. Ok, bah Julien, shot. Allez, Julien, ouais. Juju, un shot. Sinon, en même temps. Vas-y. Ce petit moment unique. On crie quoi? Bisous. Mais c'est pas son anniversaire. Mais grave, mais c'est pas grave, c'est drôle. Putain, on est parti la bouteille, ça va. Bon anniversaire. Donc le classement final du quiz. Premier, les verts. Deuxième, avec une seule mauvaise réponse. Les rouges, deuxième, avec seulement 2 mauvaises réponses. Et les bleus, dernier, avec seulement 2 bonnes réponses. Celle-là, je l'avais. Bon, bah, je sais que tu vas sauter à l'élastique. Hein. Vous êtes nuls, mon équipe, vous êtes nuls. Les Ousma Kappa ont presque réussi un sans faute. Ils ont remporté 10 points et pourront prendre possession de la prochaine énigme. Les éponges ont bien répondu à 4 questions, ce qui leur fait 8 points, mais devront attendre 5 minutes avant de pouvoir partir. Enfin, les anciens qui n'ont remporté que 4 points devront à leur tour patienter. Et je vais proposer que... Alors écoutez, s'il vous plaît. Je vais proposer 2 petites choses. La première, c'est... Je vais donner les indices, toutes les 5 minutes. La première équipe, donc vous avez fini premier. Vous avez le droit d'avoir le premier indice. Mais sinon, vous pouvez échanger cette première place en échange de donner des piments à notre... Attends, s'il te plaît, reprends. On va gagner ces 5 minutes. S'il te plaît, reprends. Il y a des moustiques en premier. On sait jamais. Ok. Ils vont 5 minutes d'avance, après la deuxième équipe 5 minutes d'avance et la dernière... 5 minutes, t'as même 10. 5 minutes, chaque... Les verts sont les premiers à découvrir l'énigme vers le prochain lieu. Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. C'était Paris Express.